Salut, vous avez été nombreux à nous envoyer des petits commentaires et des messages sur les réseaux, donc merci déjà pour votre confiance. On essaie de répondre un peu à tout le monde au fur et à mesure, mais je me disais que j'allais faire une petite vidéo complémentaire pour vous apporter certaines astuces sur le Chacha Junior. Alors, il y a plein de petites astuces pour customiser son Chacha Bait. Je vous invite donc à aller voir la page Beam Tackle TV sur YouTube. On y explique un petit peu tout sur les Chacha Bait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre votre Chacha Junior plus réactif, tout simplement en taillant le poil. Donc, c'est très simple. Vous allez prendre le Chacha Junior, vous allez défaire la queue avec la petite agrafe derrière. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une petite agrafe et un trailer. Hop, je vais donc sortir le trailer. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre un ciseau. Alors, pas un ciseau de cuisine, un ciseau qui coupe déjà bien, un ciseau pour la mouche ou pour couper la tresse. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever du poil. Plus vous allez enlever de poil sur votre Chacha Junior, et plus la palette elle va s'activer rapidement, et plus elle va nager fortement. Alors, vous allez prendre le ciseau, en fait, et vous allez le faire glisser comme ça vers l'arrière, comme si vous peigniez votre Chacha, en mettant des petits coups de ciseau. Du coup, ça va enlever du poil, mais sans atténuer la forme du Chacha. Et donc, vous allez le faire sur tout le tour, comme ça, jusqu'à enlever une partie du volume de poil. Voilà, donc on a un petit peu dépoilé le Chacha Junior. La palette va s'activer beaucoup plus rapidement et elle va nager beaucoup plus fortement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Facebook, Instagram ou sur notre page YouTube. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.